Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour la suite de l'aventure de Cat Quest. On est monté un petit peu en niveau. Et on va maraver. Voilà. On a un dragon sur les mers. Qu'on ne peut pas attaquer parce qu'il faut marcher sur l'eau. Niveau 25. Alors on va. Hop. Oh, on est plutôt bien en termes de leveling là, je trouve. On a récupéré un peu notre retard. Alors on va aller faire ce petit donjon. Aïe, aïe. Putain de. Putain, mais je tape rien du tout. Oh, mais oh. Le patron là niveau sup, alors une épée, très bien, on va continuer d'avancer. Putain, ça fait mal ça. Oh là, oh là, il en balance des trucs lui. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Du coup, j'ai pas de mana pour me soigner. Bravo. Quel con. Il faut une clé, mais où est-ce qu'on chope ces putains de clés? Yes, voilà, c'est fini. Bon, petit, honnêtement, ça XP bien, ça, c'est bon. On n'a pas le coffre de sortie, mais on va continuer à avancer un petit peu. Il y a peut-être des. Oh putain! Oh, il y a un truc qui m'a défoncé. C'est quoi qui se cache dans ces putains de montagnes? Je me suis fait rétamer. Merde. Esquive. Putain, au début, on dirait un jeu tout mignon et tout. Tout gentil, tout mignon, tout facile, mais en fait, grave pas. Une armure. Petit coup de soin. Bon, toujours pas de clé. Pas de mana pour me soigner. Ah, un dragon des glaces. Laisse-moi tranquille. Mais oh.
Et là, nous avons une cape, une armure en côte de maille. Y a pas de truc d'XP qui traîne, non? On a fait tout le tour. J'ai pas compris ce qui m'a explosé comme ça dans les buissons. Toi, alors je vais sauvegarder. Enfin, je vais sauvegarder. Je vais dormir, sauvegarder et me remettre full life. Et on y retourne. Qu'est-ce qui m'a tapé dessus comme ça? C'est quoi? Oh, ils ont les têtes de mort, donc. Dire quoi, ils sont balèzes? Oh, ah ouais, putain. 104, une attaque. Bon, bah, on va pas aller par là-bas. Hein. Bon, je suppose que du coup, il va falloir faire le tour. Là, je peux pas passer par là. Donc, il est là. On va aller de l'autre côté. J'ai entendu dire que tu pouvais apprendre la marche aquatique à Padville. Je n'aurai plus de travail en tant que maître nageur. C'est où Padville? Niveau 19. Niveau 20. Allez, on y va. Hop. Je l'ai déjà fait celui-là. Attends, j'arrive. Je vais te régler ton compte. J'avais déjà fait celui-là. Ah non, faut que j'aille. Ah, et puis. On va se calmer direct, les gars. Il me semblait. Alors, non, c'est par là-bas, comme ça. Comme ceci. Eh, mon gars! Hop, on soigne un petit peu. Oh, je peux pas passer. Quel con! Putain, mais... Ah! Quel con! Non! Du coup, tu me laisses passer ou... Ah non. Ok, d'accord. Bah non, je l'avais pas fait celui-là. Un chapeau magique. Du coup, on s'en va. Hop là. Et on va finalement aller récupérer un peu de vie
Parce qu'on n'est pas très très bien. Donc la marche, donc il nous a donné un conseil à Padville. Je sais pas où c'est. Ah bah c'est là, Padville, c'est de l'autre côté. Faut que je fasse le tour. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il a toujours été mon rêve de naviguer en haute mer. Mais je déteste l'eau, ça mouille, il va fou rire. Ok. Donc faut que je fasse tout le tour. En fait, faut que je passe là, au-dessus du lac Félignard. Que je monte tout. Ok, bah on va faire ça comme ça là. Bon, toi, tu cherches la merde. C'est niveau combien ça? 40. Je dois avoir des niveaux de retard, c'est pas possible. Merde. Donc c'est là que je dois pouvoir apprendre. C'est lui qui doit m'apprendre, je pense. Alors on va se reposer. On arrive à Padville. Alors, allez au panneau de quête si vous voulez me parler maintenant. Partez. Ok. Chemin, niveau 20. On va accepter la quête. Besoin urgent de marcher sur l'eau à l'aide. Rechercher. Voilà, c'est comme ça que nous allons atteindre le dragon. Hey. Vous êtes ici pour la notice quête, Chatniel. Ma patte droite minée. Et... supposé être en train de rechercher la marche aquatique, mais elle a disparu. Il y a un énorme monstre aquatique qui veut défoncer, que je veux défoncer. Il est en train de manger tous les petits poissons. Casse tous mes bateaux. C'est quoi l'utilité? Pas de vue s'il n'y a pas de bateau. Ok, d'accord. Très bien. Allons chercher Minet. Titi et Rominet. Il est là? Pas ici, allons chercher ailleurs. Ah, il faut chercher dans tous les buissons. Ok, on a une piste. La piste se sépare socialement, il y avait une façon de reconnaître le bon chemin. Ok, d'accord, donc faut aller par là-bas. Oh putain! Ah oui, non, d'accord. Putain, je me suis fait défoncer encore une fois. C'est une quête de niveau 20, faut pas aller chercher à côté. En fait, faut vraiment que tu passes l'air de rien. Et que t'avances et que tu cherches pas à ta... Merde, j'ai eu... Bon, je peux lancer la magie. L'air de rien, tu cherches pas la merde, quoi. Moi qui suis toujours à vouloir taper, à vouloir... attaquer dans tous les sens pour XP, etc. Bah là, c'est clairement pas conseillé. Donc là, on passe notre chemin. Voilà. Là, on arrive sur un dragon. Voilà, il doit être là, non? Allons demander aux chats de la ville s'ils ont vu Minet. Alors déjà, on va dormir. Parce que c'est très important, un chat dort beaucoup. Minet, il est allé dans les plaines interdites il y a 3 jours, mais il est toujours pas revenu. Faut que j'aille par là-bas. C'est chaud, sa mère. C'est niveau combien là-dedans? 35?
Je fais un petit détour au KLM. Il est au milieu. Mais je vais me faire défoncer, moi. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Restez silencieux. Vous êtes miné? Voilà, on se casse. Au secours. Bon, c'est... Putain, il faut vraiment... Faut vraiment pas avoir peur, quoi, pour pouvoir... Ah merde, je suis dans le du mauvais côté. Et donc, on va pouvoir marcher sur l'eau. Pour attaquer ce dragon, mais... Putain, mais... Je suis nul. Mais allez, tu vas crever, ouais. Non mais oh, en fait... Ah, putain, il m'a ralenti. En gros bourrin, ça peut passer. Niveau 40, on oublie. Ah merde. Bon bah j'ai voulu y aller comme un gros bourrin. Bah du coup, il est où? Ah, je suis où? Ah, je suis où là? Ok, faut que j'aille là-bas. Je fais que de crever, mais c'est une... c'est n'importe quoi. En fait, quand je prends pas trop la confiance et que je fais gaffe, ça va. Alors, dormir. Voilà, hop. Ici pour parler au boss, il est là-bas, il a l'air de... Ok. Allez au panneau de quête, il voulait me parler maintenant. Putain mais... La fusion. Niveau 23. Allez, on est ouf. J'ai besoin de votre aide pour le problème... J'ai besoin que vous ameniez ces ingrédients au mage et que vous lui demandiez de les mélanger. Il déteste Minet, c'est comme ça depuis très longtemps. Tout a commencé avec le cristal du phare. D'accord, les mages ont créé un prototype. T'as reconnu, mais... J'ai recette et je peux tout arranger grâce à la science. Ok. Du coup, on va y aller. Faut aller où? Oh, putain. Donc, faut que j'aille là-bas. Que je passe à travers... Là, ok. Ici, en fait, faut que je prie pour... Concentration maximale. C'est niveau combien ça? 45. Mâche chaton, êtes-vous là-dedans? Miaou, vous avez éliminé ce bandit, merci. Ils volent nos trucs, ça me traite de magicien. Mage te donne la fiole de potion. Ok. Et du coup, si je vais là-dedans, je peux... Ah, j'ai une nouvelle magie. La magie de glace. Bah oui, on va accepter la magie de glace. Et du coup, on va la mettre. On va la mettre là. 16. Alors,
38 dégâts, 52 dégâts, 15. Ok. On va essayer de monter un peu la magie de soin là. Trop putain. Ça va un peu plus de. Putain, 600. 400. 300, 200. Ok, bon, ça sent le farming. Bon, du coup, faut que je retourne de l'autre côté. Après, on ira. Putain, même lui, il est tête de mort, quoi. Laisse-moi tranquille! Laï. Niveau 40, on oublie. Bon, j'ai fait une quête niveau 23 au niveau 20. Bon, ma foi, c'est plutôt pas mal. Ah, le petit dragon là-bas qui est dans l'eau. Alors, on va dormir, déjà, hein. Pour aller voir les petits bébêtes dans l'eau. Il est tout mignon, lui, là-bas, là. Il est trop mignon. Il a pas l'air très gentil. Avec son œil sur le front, là. Bon. Voilà, on va te donner la potion. Formidable, ça ne devrait pas me prendre beaucoup de temps pour le finir. Chatnial, prenez une récompense juteuse aussi. Niveau 21. Hey. Alors, voyons voir un peu l'état. Donc ici, casque d'écuyer. Ça me fait ok. Ça m'augmente ma vie et mes dégâts. C'est bien ça. Ça m'augmente ma magie. Ça augmente ma vie, mais ça diminue. Ah, il y en a d'autres là. Ça, c'est ça que j'avais, le croc de flamme. Ah, l'autre, son truc, il est mieux, là. Ok. Bon, on va se laisser là pour cet épisode. On continuera donc la suite. On est à Patteville. Et on est passé niveau 21. Maintenant, on va peut-être pouvoir marcher sur l'eau. Et après... nous attaquer au dragon et ça promet d'être compliqué vu comment j'ai galéré pour le premier. Je pense que je vais faire une petite session farming histoire de level up un petit peu et me mettre à l'abri du danger le plus possible, éviter de wiper en continu avec mon petit chat. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien YouTube. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.